Le président hongrois Paul Schmidt a fini par céder. Il vient de démissionner à cause d'un scandale de plagiat. Jeudi dernier, l'université où il a étudié lui a retiré son doctorat. Elle avait découvert que près de 90% de sa thèse, soutenue en 1992, avait été copiée sur le travail d'un autre. Fidèle du Premier ministre Viktor Orban, il bénéficiait du soutien des deux tiers des députés et ne risquait donc pas de faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Mais le président a préféré céder aux appels de l'opposition et à la pression de la rue. Depuis que son doctorat lui avait été retiré, les manifestations se succédaient à Budapest. L'opposition de gauche et d'extrême droite, unie pour l'occasion, a réclamé sa démission pendant tout le week-end. Paul Schmidt ne semblait pourtant pas prêt à partir. Il avait affirmé à la télévision vendredi soir qu'il n'y avait aucun rapport entre sa thèse et sa fonction de chef de l'État. Élu en 2010, le président avait soutenu toutes les réformes controversées du gouvernement Orban qui ont mis la Hongrie en porte-à-faux vis-à-vis de l'Union européenne.